On a pu monter les châteaux gonflables dehors, c'est super. Les enfants sont là, puis il y a les gens qui se regroupent autour de la buvette et ça c'est le mieux. Parce que comme ça on est tous ensemble. Cora Sand ce soir il chante dehors. Il y a aussi des plateaux repas. Donc on va être tous ensemble, ça va être super convivial et avec le beau temps, c'est super. Mais cette année on s'est basé sur un programme plus quartier. On n'a pas mis de budget, on a mis deux groupes. Un premier groupe avec une ambiance assez latino, tranquille. Pendant ce temps, on fait un petit plateau repas. Et après, un groupe rock du Pays Basque. En même temps, on a fait le Biscon Drift, communément avec Escal Nonil. On a mis des jeux gonflables pour les enfants, qu'on voit qui s'éclatent dessus. Ah oui, et le feu d'artifice aussi qui aura lieu à 23h par CRC Artifice, une association louronnaise. Donc on aime faire travailler les gens du coin, en faisant travailler un traiteur aussi qui est local et l'association pour le feu d'artifice. Et l'association de Biscon Drift, c'est aussi local à Saint-Oulron. Y esa mona.